Hier, sur le live d'un autre plouc, je t'ai défendu ton Sky, ça parlait de l'âge pour jouer au jeu, des réflexes, etc. Bon, je sais que les autres ploucs, les collègues avec qui je joue... Alors, si c'est des autres, je m'en bats les couilles. Il y a un truc, c'est que je sais que les gens avec qui je joue, les ploucs, de la team des ploucs, on aime bien se vanner entre nous, surtout quand on n'est pas ensemble. Par exemple, t'as Saxy et Shaw qui jouent ensemble, ça va casser du sucre sur le dos des autres. Mais bon, tu sais que c'est comme ça. Et honnêtement, moi, je trouve que c'est rigolo. Donc moi, à aucun moment, ça me vexe. À aucun moment, je me sens offensé. Après, si c'est une autre personne qui ne fait pas partie de notre groupe d'amis pourrait se moquer d'une façon directe ou indirecte, que ce soit de moi ou des autres gens autour de moi, mais principalement de moi, du coup, puisque je suis le seul intéressé sur l'idée, je m'en branle. Voilà. C'est un truc que j'essaye vraiment de travailler. C'est la phrase que j'ai toujours dit, parce que souvent... les gens se préoccupent beaucoup de ce que les autres pensent d'eux. Ou en tout cas, je pense que souvent, les gens pensent que les autres se préoccupent d'eux, alors que souvent, ils en ont rien à foutre aussi. Mais se soucient beaucoup trop de ce que puissent penser les autres de nous, que les autres ne se soucient pas réellement de nous. Et ce que je dis toujours, c'est qu'il y aura toujours des gens pour te critiquer, te pointer du doigt le moindre fait de travers, etc. Mais sur toutes ces personnes qui sont là pour te pointer du doigt le moment où tu ne seras pas dans tes meilleurs jours. Sur toutes ces personnes-là, combien seraient prêts à te tendre la main? Très peu. Donc, est-ce que réellement, la vie des personnes qui sont juste là, dans le mauvais, mais pas dans le bon, puisse m'intéresser? Absolument pas. C'est-à-dire que si tu as un ami, c'est une personne qui est là pour toi, peu importe quoi, et qui te tend la main. Donc, si une personne comme ça te dit quelque chose de négatif, tu peux dire, ok, s'il me le dit, c'est pour mon bien, c'est pas pour me faire chier. Mais si une personne est juste là pour te critiquer, pour dire des choses, te pointer du doigt, etc., mais que c'est une personne qui n'en a rien à foutre de toi, qui ne sera pas là pour toi le jour où tu en auras besoin, moi, j'en ai rien à foutre. Vraiment, ces gens-là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Vraiment, rien à foutre. Et c'est ce que j'essaie souvent de transmettre comme message aux gens, parce que je sais que c'est quelque chose qui est plus fort que nous, de s'importer de ce que les gens pensent de nous, mais... On s'en branle. Faites vos vies pour vous. Le temps passe bien assez vite. Ce que les gens que vous ne connaissez pas pensent de vous, on s'en branle. Bon. Tu penses que tu peux avoir un code promo? Alors, je sais pas, normalement le code Skyrose sur le site fonctionne, non? Alors, je sais pour les manettes, mais ça se trouve pour les accessoires aussi. Normalement, si tu utilises le code Skyrose, t'as 5% de réduction sur le site Scuf. Donc, 5%, c'est toujours ça de prix. Du coup, où est-ce qu'on va? C'est quoi, je vais aller au spot hein, habituel. Je suis tout seul, mais je vais y aller quand même. Bon, il y a l'air d'avoir un peu de monde qui est arrivé là. Ah tiens, ça c'est bien ça. Amène ça. Comme ça, en voici un gars dans le bat. Là, non. Derrière. Ok. Ok, ils sont tous là. Et en plus, il est pas au-dessus. Du coup, je vais en profiter. Bon, il arrête pas de me ping. Visiblement, il a fait la même chose que moi, ce que j'aime pas trop. Petite mine sur le chemin. Voilà. Une petite mine bien rentabilisée. Ah, on va se le dire comme ça. 34 mètres, il y a deux gars. Ah, ils sont en haut. Bon. Écoute, apparemment, il n'y a plus personne. Chelou, ça. Les deux sont morts? Mais... Ok. Bon, écoute, je vais acheter ma caisse, du coup. Bon, on va tester celui-là, voir ce que ça donne. Et on va aller voir un peu plus loin. Un petit peu de monde dans le coin, tout ça. Écoute. Bon.
Ah. Ok, un peu plus de retombées. Là, il y a un peu de distance quand même, hein? Alors, il y a eu un petit problème là, non? Je crois que les escaliers freinaient les balles. Chelou, mais bon, au final, il est mort en deux balles, donc mission accomplie. Ah, l'escalier, c'est, je sais pas qui l'a construit, mais il y aura une petite augmentation, hein. Il a fait un très très bon escalier, le type. Donc le snipe ne one-shot pas, mais la cadence est bonne. Ça fait du bien quand même quand tu fais des petits kills comme ça. Oh, monsieur avait un drone. Alors ça, c'est super sympa le drone. Franchement, qu'est-ce que tu es attentionné. Il y a personne dans le coin. Hein. Tête, bon. Bon. Bah écoute. Oh. Petite frappe. C'est sympa ça. Oh non, on est pourchassé par une escouade ennemie. Je vais aller dans la zone. Il a l'air d'avoir du monde là-haut.
Bon, pour... Petite salope. Ah, il a fantôme, ok. Envoyez un soutien aérien. Tu vois, le truc, c'est que j'ai mis le truc pour avoir la meilleure cadence, mais je trouve que... Il y a un petit temps de stabilité à avoir, qui finalement avoir plus de cadence, c'est pas forcément mieux. Parce que je trouve que le, quand tu tires trop vite après avoir réarmé, l'arme elle bouge en fait. Ouais. Bon, bah écoute, c'est bien, mais finalement l'autre est bien aussi parce qu'il a plus de cadence, quoi. C'est vraiment pas une bonne place, hein. C'est vraiment pas une bonne place, hein. Mama.
Oh, cette game, mon pote! Cette game! Elle était incroyable! Elle était incroyable! Les ennemis, ils sont dans mon sac à dos, mon pote. Allez, hop! Voilà. On met le sac à dos. On met les ennemis dedans. Allez, ça dégage. Salut! Ah, elle était bonne, cette petite game, là. On se frague. Snipe pompe. Validax! En fait... C'était un peu le concept que j'avais, dont je parlais hier, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu joues sur Warzone, tout le monde joue méta. Alors là, en solo, là, il est tôt le matin. En solo, tôt le matin, généralement, ça va. C'est plus chill. Et c'est vrai que dès que t'arrives un petit peu vers midi jusqu'au soir, c'est méta, stack, stack, stack. C'est-à-dire que quand tu joues en équipe, les gars, ils sont collés. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est comme si aujourd'hui, le jeu... Les gens ne jouaient plus pour s'amuser, c'est plus pour le fun. Maintenant, c'est performance, top 1. Méta. Amuse-toi. On s'en fout si t'as 50 top 1 ou si t'en as un. On s'en fout. Amuse-toi. Et finalement, ça a toujours été ce que j'ai prôné. C'est-à-dire jouer avec des armes qui sont différentes que ce que les armes tu vois constamment dans le jeu. Mais pour autant, tu peux arriver à t'amuser. C'est pas l'arme qui fait le joueur. Voilà. Donc, amusez-vous.